Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 54e épisode de nos aventures sur Coral Island. Donc les loulous, on va... étant donné qu'on a fini de débloquer la mine, la dernière mine, la mine de feu, qu'on a libéré le... Bon, je sais plus son nom pseudo, hein, mais son nom, le géant de feu. On va retourner faire un petit tour au village au cas où il se débloque quelque chose. Et d'ailleurs, on a une note du chef. Reposez, prêt à nous raconter l'histoire de Guyou. Au village, vous devez venir entendre l'histoire de votre aide dont nous pensons avoir besoin. Bon, bah voilà, en plus, hein, nouvelle quête. Donc ça, c'est fait. Alors, il y a un truc que j'oublie tout le temps, les loulous, et qui vient de me traverser l'esprit, là, vite fait. Je vais vous montrer ça. Et je m'attaquerai après au reste des choses à faire sur... Sur la ferme, c'est la serre en fait. La serre, je n'y pense jamais. Mais alors jamais. Clairement. Hein. Je sais pas trop pourquoi. Mais elle me vient pas en tête. Hein. Vous voyez que j'ai tout à ramasser dedans. C'est assez fou. La serre que je n'exploite pas du tout. Hein, mais en même temps, j'ai juste pas le temps. Je trouve que je passe déjà tellement de temps sur l'extérieur, avec les animaux, tout ça, que ça me paraît bien compliqué. Mais j'ai rien qui est fait là. Ok. Ça, fallait que je le donne, je crois, au musée. J'ai vraiment plus de place, hein. Ok. Alors, passe un temps fou sur les animaux et etc. quoi. J'ai déjà fait ça. Alors, je sais pas si le câlin est indispensable une fois qu'un animal est à fond. Est-ce qu'à partir du moment où il a mangé, on a encore besoin de le câliner? Je sais pas trop. Mais sort, il veut pas sortir. Alors ça c'est fait. Ensuite, les poules et les canards. Non. Non. Ah si, c'est bon. Ramasser. Ok, les poules et les canards, c'est good. Et il nous reste eux. Voilà. Ok, on est pas mal. Alors ensuite, j'ai ouvert, j'ai ramassé tout ça. Maintenant, on veut...
des œufs. Voilà. Ça, je peux pas le poser. Toi, tu vas aller là-dedans. Ah, j'en ai plus que 17. Je vais avoir un souci avec le foin, la paille, là. Hein. C'est ingérable, en fait. Hein. C'est ingérable, le truc. Ah, on m'avait dit de replanter de l'herbe. Je vois pas comment, en fait. J'ai déjà check ça la dernière fois avec vous et j'avoue, je ne sais pas. On va déjà aller ouvrir les géodes au forgeron. Ensuite, on va revenir à pied par le musée. Et essayer de trouver une idée pour. Pour gérer ce foin à donner à manger aux animaux. J'avoue, je ne sais point. Et c'est génial. Je me suis TP au forgeron pour ouvrir les géodes. J'ai zappé. Je suis descendu direct. Donc en fait, je viens de faire tout ça pour rien. Alors je vais juste aller voir un truc au magasin général. Ah, on a une quête sur le tableau. Est d'accord que lui vend. Démarreur à gazon. Plante sur la ferme pour faire pousser de l'herbe. Ne pousse pas l'hiver. Ça qu'il faut. Certainement. C'est pas trop cher, ça va. Hein. Et donc ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Il est à la recherche de un salak. Faut que je regarde si j'ai ça, mais je pense pas. Donc forgeron, on a dit. Un salak. Pas trop ce que c'est. Ok, j'ai plein de choses. J'ai pas donné ça au musée, donc il faut que je repasse par la case musée. Très bien. C'est là, hein. Sais pas si c'est rentable de passer comme ça. Ah oui, j'ai repris mon habitude de dasher hein, quand je me déplace, parce que je trouve ça va plus vite. Alors, l'avantage de repasser par là, c'est qu'on va pouvoir récupérer les deux insectes capturés. Ça. Pierre précieuse. Alors, celle-ci, j'en avais que 3. Celle-ci, voilà, j'ai mes 5. Celle-ci, je l'offrirai à qui de droit? Ah, et ça, j'en ai pas du tout.
Ah, j'en ai pas du tout. Je vais virer ça. Voilà. Ça, après tout, on va le revendre. Et donc. Je pense que c'est ça qu'il faut faire, hein. Planter de l'herbe pour les animaux, les faire sortir de suite et qu'ils mangent dehors en fait plutôt qu'à l'intérieur. Voilà, j'ai tout mis. Est-ce que je relance de... Oui, je vais relancer de la fonte de ça. Avec ça. Place 5 minerais. Eh ben oui. Et. Tu veux pas? Ah, ça, c'est la meilleure. Pourtant, on peut les faire 5 par 5, non, dans le fourneau? Bon, bah tant pis. Alors, est-ce que je continue de faire des cadeaux à Yuri? Il est quelle heure? Il est 13h30. Yuri, elle est... Est-ce qu'elle est au boulot? Oui. Donc. Et on ira au village après. Quoique j'ai peut-être fait ces deux cadeaux du jour. Hein. Pas de la semaine plutôt. Non, j'en ai fait qu'un. J'insiste hein, pour voir s'il y a vraiment un sixième cœur. À débloquer. Et donc maintenant, direction le village des géants. Ils ont besoin d'aide apparemment. Alors. Ah, humain, tu tombes à pic. Guyou allait nous raconter une histoire. Guy, êtes-vous prêt? Et il y a très longtemps, Guyou a reçu un message de Grotte. Allez à la caverne, dit-il. Guyou n'a pas vu Gort pendant de nombreuses saisons, donc Guyou était très excité de voir Gort. Guyou a pensé, Gort revient au village. Alors Guyou a demandé. Demande à chaque géant de venir à la caverne et d'accueillir Gort. Chef, souvenez-vous, n'est-ce pas? Chieftain n'a pas pu venir car Chieftain était occupé. Oui, rappelez-vous que nous l'avons fait, audience avec la déesse que nous avons eue. Putain, le français, il est... Je sais pas si c'est un langage spécial qu'ils ont, mais même avec un langage spécial, ça... Des fois, ça... C'est fou, quoi. Guyou, très très heureux. Guyou était si triste que l'autre moitié ait quitté le village. Guyou pensait que si Gort revenait... Blablabla. Vous voyez, il y a tellement d'erreurs, peut-être à nouveau heureux. Guyou est arrivé le premier parce que Guyou n'était pas patient et ne veut pas attendre les autres, mais quand Guyou est arrivé à l'entrée de la caverne, Gort disait des choses étranges que Guyou ne comprend pas. Il y avait de l'énergie noire autour de Gort. Guyou essayait d'appeler Gort, mais boum. Il est devenu trop brillant et puis Guyou était de la pierre. Sort étrange qui était familier avec, nous ne le sommes pas. Oui, Gro se souvient avoir vu une lumière vive. Gro a vu Guyou, mais ne savait pas que Gort était également là. Oui, pareil avec Gong. Gong vient de voir Guyou, puis bang! Gong se souvient également de la même chose. Mais Guyou à l'entrée, les autres géants étaient. Mais tu n'y étais pas, pourquoi? Guyou ne sait pas, seul Gord sait. Donc Gord vivant, et nous devons le trouver. Trouvez-le, où pouvons-nous? Avant le sort, Gord a dit Gord a pris à Savane, mais Guyou ne sait pas ce que c'est. Savane? Ouman, de cette savane, la connais-tu? J'ai besoin de temps pour démêler ça. Comprenez que si nous le... Comprenez que nous le faisons. Si vous le faites, faites-le nous savoir. Pff. La savane dans le jeu, pour l'instant, je vois pas. Hein. Nous sommes désolés, Guyou. Nous pensions que vous étiez responsable de la transformation des géants en pierre. Nous n'avons même pas pensé à Gort. Parti pour toujours, je pensais qu'il était. Ouman, aidez-nous, voulez-vous? Enfin, vous voulez. Une fois de plus, les Gort, peut-être que nous ne pouvons pas, mais... Nous devons essayer. Je vais vous aider, bien sûr. C'est bon à entendre.
Nous vous devons notre gratitude. Alors, donc, mystère de la pétrification qui n'est plus possible de réaliser. Vous voyez, work in progress, un travail en cours. Donc, découvrir où se trouve le dernier géant, ben, on ne peut pas. Je pense que la fameuse zone de la savane n'étant pas accessible. Du coup, il est quelle heure sur cette journée? Il est que le début d'après-midi. Est-ce que je retourne vite fait ou pas à la grotte sous-marine où on n'a pas très bien compris le concept? Je sais pas trop. J'avoue que je ne sais pas trop. Mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Alors je suis un peu dégoûté parce que j'ai des tonneaux qui ne tournent pas. J'avais pas vu. On va changer un peu de type de ressources. Mon petit cochon m'a fait une truffe. Incroyable. Alors la truffe, je pense qu'il faut aller la porter au sanctuaire, au temple, aux hôtels. Voilà. Alors lequel par contre? Ici. Gros œuf de caille. Je sais pas si on a... quand est-ce qu'on aura ça, mais il n'y a pas ce genre d'animaux pour l'instant sur le jeu. En parlant d'animaux, il nous en reste un à acheter. Peut-être qu'on pourrait aller l'acheter justement. Ça pourrait être pas mal. Faudrait aussi que je fasse mes autres outils, que j'aille chercher les fameuses armes dont je ne sais plus où il faut que j'aille. Je vous cache pas, on me l'a dit plusieurs fois, mais... Ouais, bon, laisse tomber, j'étais pas dans le bon sens, comme d'hab. Je sais pas pourquoi je viens ici, que c'est pas ici qu'il faut que je vienne. N'est-ce pas? Les animaux, c'est là, hein. Voilà, c'est la caille. Ah si, la caille, elle existe. Mais il me faut un poulailler niveau 2. J'ai pas de poulailler. Ah si, j'ai un poulailler, mais je peux pas... Ah zut! J'ai plus de place quoi, voilà, je cherchais le terme. J'ai plus de place. Alors est-ce que je construis un autre poulailler tout en regardant ou est-ce que je revends genre une poule ou un canard? J'avoue que je ne sais pas. Alors, je me rappelle plus les ressources qu'il faut pour construire un poulailler. Ensuite, il faudra le passer level 2. Poulailler niveau 1. Ah, il y a ça qu'on vous doit faire aussi, mais que voilà quoi. Algues marines, pierre, ferraille. Je pourrais tout faire, hein, en fait. Par
Ah, je peux pas lancer plusieurs projets en même temps, hein, mais bon, on va commencer par le poulailler. Bois, pierre, bronze, fibre. Mais je suis pas sûr que j'ai du bronze en fait. Bois, pierre, bronze, fibre. J'ai pas de bronze. Ça avec. Ah, mais je me rappelle plus en fait. Je me débarrasse de tout ça là. J'en ai pas besoin pour l'instant. Tant pis. Ah, c'est un petit peu pénible, j'avoue. Enfin, j'aille farmer du bronze en fait, hein. Ce qui va pas être trop tard là, le temps de faire les allers-retours pour voir les ressources qu'il faut. Ah ben oui, c'est trop tard. Donc encore une journée de perdue, c'est génial. Alors, est-ce que j'irai pas faire du bronze du coup? Vite fait. Il y a trop de trucs à faire. J'arrive pas à retenir en plus. C'est toujours le problème, les loulous. Il y a des jeux que je retiens plus ou moins facilement. Et je vous cache pas que. Je crois que c'est dans celle-là. Hein. Je vous cache pas que sur Coral Island, j'ai vraiment du mal à retenir tout ce qu'il faut faire. Entre les recherches au labo, les outils, l'arme, la serre, s'occuper des trucs, enfin, on n'en finit jamais, j'ai l'impression. Et c'est l'inconvénient de jouer qu'une heure et demie par semaine aussi, hein. Je l'ai déjà répété plus d'une fois, hein, mais bon. Ok, donc ça c'est très pratique. Est-ce que je peux refaire la même chose avec le O15? En espérant qu'il y ait aussi du bronze. Voilà. Et au 5. Parce que je pense que ça devrait suffire. Non, 5. Ouais, il m'en faut 25, quoi. J'en ai combien là, du coup? J'en ai 30, donc ça doit aller normalement. Ça doit logiquement aller. Donc là, la partie sous-marine aussi, il faut gérer. Le musée. Enfin, les relations avec les PNJ que je ne fais pas du tout en dehors de. D'un petit peu de Yuri, c'est tout. Pourquoi je reviens à pied? Je ne sais pas. Alors que j'ai un TP, hein. Je suis beaucoup plus à l'aise sur un sandrock, vous voyez, par exemple, que sur ce coral. Comme quoi. Alors par contre, tant que ce sera pas fini, ça, je pourrais pas lancer, hein. Donc ça va attendre un peu. Et bien du coup, je pense qu'on va aller dodo. Cette première journée de cet épisode. Pas grand-chose, mais bon. Ça le fait quand même. La cuisine que je me donc je m'occupe absolument pas aussi, par exemple. Ok, on peut ramasser ça. Pas le transformer en autre chose, par exemple, c'est. Pour changer un peu là.
j'ai testé, ok, je peux pas en transformer plus. Alors attendez. Tout ça, je peux le vendre. Est-ce que je peux faire... Oui. Je vais pouvoir faire des essences peut-être. C'est avec quoi déjà? C'est avec du verre. Ok, ouais, ils ont pas mangé. Nice. Bon, j'ai plus ou moins trouvé le délire. Aller faire ça à l'heure où je l'ai fait sortir à première vue, en tout cas elle, c'est bon. Ensuite, ici. Ok, tout le monde a mangé dehors aussi. Donc en fait, je les câline maintenant à l'intérieur, c'est plus simple. Même si des fois elles sont entremêlées, ils sont entremêlés les uns sur les autres, les animaux, comme je le gère beaucoup mieux. Voilà, on pourra les faire sortir aussi. Eux, on peut les faire sortir direct. Sinon, ils vont rien me... Juste le câlin, en fait, pour eux. Je pense pas qu'ils puissent faire sa truffe à... En plus, à l'intérieur. Hein. Chercher des truffes, c'est forcément à l'extérieur. Hein. Sinon, ça aurait zéro sens. Ok, on est sur les dernières comme ça. Donc là, je veux... Ça. Voilà, donc le potager, le jardin, tout ça, c'est fait. Faut que j'arrose ça parce que je crois que ça fait 2 jours que j'arrose pas. Mon arbre ici, là, je sais pas en quelle saison il est censé pousser et donner quelque chose, mais bon, pour l'instant, il donne pas grand-chose. Donc, là-dessus, on est bon. Alors, donc on va lancer autre chose que le poulailler. Vu que le poulailler, bah pour l'instant, j'ai pas pu faire les barres de bronze. C'est pas grave, hein. Par contre, il faut que je retienne. Charpentier. Alors, 10 sèves. Mais je suis pas sûr de les avoir. Ah ouais, putain. Ferraille, pierre, algues marines. Ferraille, pierre, algues marines. Ah, je cours de côté. Je comprends pas pourquoi je l'attrape pas. Il est en vert et ça le capture pas. Deux fois là, ça me l'a fait.
Donc, ferraille, pierre, on a dit ensuite algue marine. Et donc, ça. Ça, c'est bon. Et ça, c'est quoi celui-là de TP? Pour atteindre la forêt en toute hâte, faites deux offrandes à l'arbre de la forêt. Ah, mais l'arbre de la forêt. Je sais pas ce qu'ils appellent l'arbre de la forêt. C'est lui, là. Pas la peine, ça ne bougera pas. Je sais pas si c'est ça en fait. Je vois pas comment le débloquer, cette épée. J'ai l'info, n'hésitez pas à me la donner, hein, je prends. Après tout. Donc, notre étang. Alors, est-ce qu'il... Sur quoi je... Ah, il y a le bâtiment qui se met en invisible là. Non, mais sérieusement. Alors, j'aimerais bien le mettre là. Mais dans la disposition dans le jeu des choses fait que... Là, je l'ai eu en vert à un moment donné. Alors, pourquoi là et pas là? Faut m'expliquer. Ça, c'est un truc, je j'y arriverai jamais à comprendre, les loulous. Hein. Mode vue de la ferme. Activer, désactiver l'interface. Ok, c'est pour faire des screenshots, quoi. Alors, par exemple, pourquoi je peux pas. Pourquoi je peux pas là? Voilà, je peux là, mais en fait, je m'en fiche. C'est complètement idiot. Moi, je voudrais le mettre dans le prolongement de ça, là, et je peux pas, en fait. Ah, là. Mettre là, on n'a pas trop le choix, hein. C'est vraiment nul. Moi, je dis les choses comme elles sont. C'est de la daube, leur système de construction. Faudrait qu'ils revoient ça complètement. Enfin, pas le système de construction, le système de pose des choses. Trier. Ah, c'est marrant, je sais pas combien ça. Cocon mariné, il faut pas que je les amène. Mais ça devrait être marqué normalement. Ah oui, mais données, c'est pour le musée, c'est pas pour. N'importe quel cornichon. Débloqué fût. Ouais, il était bien buggé celui-là quand même, hein. Ah. Oh. C'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance, Soma. Je suis la déesse des fleurs. Tu veux m'appeler déesse? Plus mon pouvoir grandit, plus je peux soigner ces terres. Une fois que cet environnement sera sain, tous ceux qui en vivent pourront grandement en profiter. Tu l'as senti également, n'est-ce pas? Tous ces gens qui retrouvent leur sourire naturel, tu as fait du bon travail. Si tu continues à faire des offrandes, je pourrai te renforcer et t'en révéler encore plus. Mais pour l'instant, prends donc ce fruit d'endurance, il te sera utile. Merci. Au revoir, Soma. Là, je m'attendais pas à ça. On a acquis un fruit de stamina.
Ton endurance a été augmentée de façon permanente, plus 67. Et ça, c'est notre petit cadeau. Infus. Cool. On va retourner ici. Là, c'est encore. Hop. Et on va y mettre, bien sûr. On va faire travailler ça pour voir. Non, ça, je vais. Attendez. Je vais mettre de la canne à sucre. Ça m'a pas donné encore, si. 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 Ok. Encore. On va mettre de la comme ça. Les varèches ici. Ok, tout ça, ça tourne. Si j'ai encore quelques trucs qui tournent aussi. Bah ça s'annonce pas trop mal. Ça s'annonce pas trop mal. Du coup, on a fait ça. Le don, donc. La truffe, j'avais été l'amener aussi. D'ailleurs, en parlant de truffe, est-ce qu'il est capable de me trouver des truffes tous les jours, là, mon cochon? C'est pas dire. En plus, il peut partir tellement n'importe où. Ça a pas l'air, hein. Bah, il est là, pépère, mais. Bon, ça, ce sera pour la prochaine journée. Donc ensuite, je pourrais lancer mes cuivres. Alors, la résine. Est-ce que j'en ai beaucoup? Ah, j'ai la sève de noisette, du sirop d'érable. En fait, la résine, j'en ai pas. Ah si, j'en ai de la sève. Non, c'est pas de la résine, c'est de la sève. Donc c'est sève, bois dur. Oh, faut que j'aille farmer du bois dur, les loulous. J'ai pas de bois dur. Faudrait que je fasse mes outils aussi, en le reste de mes outils, hein. Regardons le filet à papillon parce que s'il y a. Amiral rouge. Ouais, je l'ai déjà donné. C'est juste que j'ai dû battre le record de taille ou de poids. Alors, le bois dur. Voilà, il y en a un ici. Ouais. Un peu trop rapide. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Je sais pas si le dash aussi c'est une bonne idée. Il est où?
Je comprends pas la profondeur. J'avoue, des fois, je pige pas. Mais vraiment, hein, c'est. Waouh! C'est un peu au secours, quoi. Ah non, c'est pas là que je le. C'est là-dedans que je les mets. Ça, c'est la canne à sucre que je dois mettre là. Ok. Normalement, oui, j'ai une graine, elle est là. Non. Ensuite. Ça, on l'a donné, ça, on l'a donné, ça, on l'a donné. Ça aussi. Ce serait bien aussi que sur les items qu'on doit donner au sanctuaire, on ait l'info. Comme ça, au moins, on aurait toutes les infos sur les items. On n'aurait pas à aller à chaque fois se TP pour pouvoir rendre le truc, machin. Ce serait pas mal. Ah, le gingembre, j'ai pas la place. Trier le coffre. Trier. Qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste ça. Et ça, les champignons. Ok, je récupère ça. Du coup, ici, je peux mettre ça. Alors, toi, tu tournes plus. Bah toi je te vends aussi du coup. Gingembre, je sais pas en quoi on peut le transformer. Est-ce qu'on peut peut-être le déshydrater? Et écoutez les loulous, on va aller se coucher. Ça va conclure notre épisode. On va voir un peu ce qu'on a gagné. Ok. Donc on a gagné ça. Et c'est tout. 4 500. Bon, bah on revient à 25 000 et quelques. Hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc les loulous, on va cesser là-dessus. Moi j'espère que ce nouvel épisode de Coral Island vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.